Merde. Ouais, c'est bien ça. Alors, on a dit que ça va être un combat en 3 temps, j'ai l'impression, au vu de la route normale qu'on va se prendre. En plus, il y a des ruines juste après. Donc, ouais, il va bien y avoir quelque chose. C'est sa route normale, alors que la route sur. Putain, mais comment tu peux ne pas te dire, tiens, on va prendre les putains de ruines? Alors, normalement, on prend les ruines. Faut être con. Alors si je branche pas ma cafetière, ça va moins cafetier. Parfait. Alors attendez. Ouais. Ma chaîne. Oi, Kaylors. Parfait. Le voyant va bientôt être ouvert, donc route normale. Donc pour l'instant, c'est des soldats normaux. Enfin, des trucs normaux. Compétences. Ouais, non. Silence grenade. On va faire celui-là pour le coup. Ah, il y en a un qui est vert, j'avais pas vu. Ouais, mais les trois vont nous attaquer, mais. Allez, bon, au moins. Ah, connard de bon, merde. Mal. J'aurais dû peut-être me soigner, mais ah. Aïe aïe aïe. Parfait. Il y en a encore. C'est pas grand le menace pour l'instant, mais on est en début d'interlude, enfin en début de chapitre, donc évidemment que pour l'instant ça a l'air vachement calme. Alors. Parfait. Va falloir quand même faire gaffe parce qu'il y en a un qui est tout rouge, donc il va peut-être apporter colère pardon, à ses autres potes. Oui, mais le problème c'est que je ne peux pas la attaquer de manière efficace. Bah du coup on va remplacer avec Jean. Champ de mine attaque tous les ennemis au sol. On va voir ce que ça fait. Je vénère. Effectivement. Où est dit Nigelchin. Oui. Alors, est-ce que là il est problématique celui-là, mais ah putain, j'aime pas cette attaque. On est piqué. Oui. Ouais, ouais, ouais. Dans les murs, dans les réseaux sociaux.
Merde. Ouais, au pire. Je pense que je fais une connerie, mais bon. Plan de la forge, ça c'est bien par contre. Trouver la clé pour ouvrir le trésor, ok. Ah oui d'accord, c'est un peu plus grand. Ok, parfait, aussi basique. Mission du pistolet joué, il faut voir ce que... Ah, évidemment. Évidemment. Bonjour, Mad. Bienvenue au stream. Alors, c'est pas un jeu mobile, attention. Ça, c'est une mission du pistolet joué. Donc, autant en prendre un au cas où. C'est un peu sus, j'ai un peu peur. Ça va, ouais, ça va, tranquille. Normalement, je devrais jouer évidemment à merde à Starfield, évidemment. Mais comment dire, il faut que je finisse Fuga Melody of Steel, donc le jeu que je suis en train de jouer. Est-ce que c'est une bonne chose que je fasse ça? Allez, au cas où, dans le doute. Oh, let's go! Et le problème avec ce jeu-là, c'est que c'est pas alors c'est pas forcément un jeu qui est giga long. Ça va, en vrai, apparemment, il y a que 12 chapitres. J'en suis au chapitre 6 ou 7, je m'en souviens plus. Yeah. Et mais le problème, c'est que c'est un jeu de stratégie et moi, je suis nul en jeu de stratégie. Je suis terriblement mauvais. Ça devra aller, je suppose. Tant que j'utilise pas des enfants comme munitions pour le canon des âmes, tout ira bien, je présume. Non, oui, globalement, oui, ça va quand même. Ouch. Aïe. Oui, oui, je vois ça. Il y a un combat d'élite pas loin. La route sûre, elle pourrait m'apporter santé et en plus point de compétence. Ça pourrait m'aider pour finir ce chapitre-là, mais... Faisons attention, ça devrait suffire. Route dangereuse à la combat d'élite niveau 3. Enfin, 3 de combat d'élite. Allez! Je vais me faire... Ça va faire mal et bon, normalement, si je fais attention. Ah, STOST, putain. Normalement, on va appeler Jean, je pense que ça devrait aller. Tout du moins au début, quoi. Allez! Ah putain, ça leur a quasiment rien fait. Ils sont pas suffisamment en colère. Colère est pas forcément très malin, je dirais, mais bon. Ah mais c'est trois ennemis de type colère, d'accord. Enfin de type colère, c'est bon truc. Un en moins ça devrait aller, mais... Ah,
Si j'avais quelque chose qui permettrait d'attaquer plusieurs fois, mais qui ne coûte pas trop cher non plus en PC, mais c'est pas... Bon, allez. Mais ils sont cons! Les gars! Deux fois! Non, je me suis même pas fait toucher! Oh, les bouffons! Ils ont respiré trop de fumée de gaz de cette région ou quoi? Ouais, là par contre, il va falloir faire gaffe. Mais ça attaque tous les ennemis au sol. Et. C'est pas ce que je veux. J'ai brûlure, fumigène. Oui, mais il y en a. Putain, il y en a un qui va être chiant. Et qu'il faudra que je m'occupe directement en fait là. Ouais, c'est le mec qui pourrait ajouter couler. Colère. Mais il va falloir vraiment que je le one shot quoi, ce stade là quoi. Le problème c'est qu'il y a des trucs en haut. Ouais non, attendez. Je pense qu'en live j'aurais besoin de Anna. Les ennemis au sol. On s'est compris. Et en plus il y en a un qui a du blindage donc je serais obligé d'avoir truc. Alors, on est le matin, là, j'ai à peine bu la moitié de mon café. Oh, non, on est pas trop. Ah putain, je suis obligé de m'occuper de lui. Le problème, c'est. Ah putain. Ouais, j'ai pas le choix. Oh, en tout cas, critique, c'est bien. J'avais fait d'avoir Anna. Ah putain de merde. Parfait. Ah putain, une tornade d'acier, connard, tu peux pas attendre 2 secondes. Mais à peine juste de commencer mon track, ça fait mal. Où ça y est quoi, let's go. Parce que là ça risque de faire très mal. Wouah. ça fait du bien ça. Pas de colère qui a été rajoutée. Tous les ennemis dans les airs qui ont été neutralisés. Tout va bien. Merci. D'accord, mais putain, mais quel con aussi. Mais ça a un tank le bail. Oui, mais quand même. Quoique non, je pense que je suis obligé d'avoir elle. Lui, il peut dégager, maintenant je peux avoir mal. Pas mal. Ça lui fait pas grand chose, ça m'énerve. Ah, mais j'aurais dû prendre Sock, oui, pour le coup, ça aurait été intéressant et intelligent. Aïe. Ajout de colère. Bah, ça, aussi, Miss Nugget. Bon, pour le coup, ça va. Oh, merci. Ça fait plaisir, ça. Un petit mode héros. Ça fait moins plaisir. Ah putain, va falloir appeler... Kyle, merci. Pas Kyle Rottenhouse, MDR. Parfait, ça devrait aller. Je sais même pas. Grenade blanche, ça me fige. Ouais, je pense que pour l'instant ça devrait aller, ça. Parfait. Tu peux pas m'échapper. Let's go.
Faire fragmenter, ça pourrait être intéressant pour le coup. Attaque tous les ennemis, ouais, mais une fois. Mais le problème, c'est que j'ai un bon blindage, donc ça servirait à rien en vrai, faut. Je serais... Le but, c'est de les retarder. Je sais que Miss Inget va nous soigner, mais. Pire. Tornade d'acier, c'est pas cool ça. Ça va. Ça va. Quoi? Ah non! Ah! 1000 de dégâts, ça fait mal! C'est bon. Il attaque tous les ennemis, augmente les dégâts. Non, 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 non. Faut faire tir perçant et tout. Avant de pouvoir leur faire des gros dégâts massifs avec cette attaque. Ah, je vais faire attention aux points de compétence aussi. En défense, ouais, ouais, ça pourrait être intéressant pour le coup. Ok. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, ça, ça fait mal, ça. Je vais démonter. Let's go! Oh! Et c'est encore mieux! C'est largement mieux! Restaure les PV, ça va restaurer absolument tous les PV! 3000 de PV, oh là là, ça fait plaisir à voir ça. Bon, est-ce que tu peux lui faire mal? Ouais, pas grand chose. On va prendre ça. Ok. Ok, ça va. Ça a l'air d'aller. Ah putain, défense. Ouais, c'est bien. Faut pas être greedy, faut pas être gourmand. Voilà, retardé, ça c'est bien. Attaque duo, pas encore. Non. Défense, c'est bien aussi. Comme ça, tiens. Voilà. Normalement, là, je vais pouvoir passer à l'offensive. Ça va faire mal. Ça va, ça va, ça va. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va, ça va, ça va, ça va. Relativement. Bon allez. Ouais, très efficace ça. C'est bien. Enfin tous les attaques critiques, oui, mais le problème c'est que... Voilà. On n'a pas tant besoin que ça. Voilà. Aïe aïe aïe. Effectivement, ça fait très mal là. Pas très bon, j'aime pas ça. Tiens, ça va faire mal. Doucement quand même. Let's go. Deux de moins, parfait. Oh, mal à la tête. Ça va, on se démerde bien. Et s'il y a vrai lien. Augmenter au niveau 10 l'affinité avec un allié. Apparemment c'est niveau max ça. Oh. Oh oh oh. Oh putain, encore un combat et... Ah. Allez, dans le doute.
Dans le doute, il faut que tu boutes. Ah ouais. Il y a une interlude pas loin. Oh non! Oh shit, 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 shit. Kyle. Kyle. Merci. Da-da-da-da. Quel con. Quel con, j'aurais dû. Ah, c'est pas bien grave. Ah oh, putain le bâtard. Ok. C'est la version minuscule du boss qu'on a affronté il y avait pas très longtemps. Oui, ça devrait aller ça. Attaque tous les ennemis, chance d'infliger faiblesse. Ouais. Oui, allez, on va choisir ça au pire. Ouais, c'est bien. Ok. Mode assaut, let's go. J'attendais ça. Qu'est-ce que je disais? Non, on l'attaque du haut, quasi on va l'attendre parce que là on est connu au premier combat. Donc ça serait un peu con. Pour le coup. Et pas qu'un peu même. Aïe. Merci. Défense, oui. Ya! Voilà! Là on parle. J'ai bien fait de pas utiliser mon attaque bio pour le coup. Attaque bio, je ne pense pas. On peut appeler mes machins. Voilà. Champ de mine, ça devrait être intéressant. Ça va les retarder en plus. Let's go. Attaque deux fois. Bah putain. J'ai pas le choix. Ah mais non mais c'est le mode héros, ça va. Aïe. Aïe. Pas faire gaffe. Je pense qu'il va falloir que j'augmente mes. Que j'utilise un petit objet. Voilà. C'est énergétique, ça c'est bien. Et Anna, normalement, si c'est son tour, elle devrait s'occuper du reste. Merci Anna. Et merde. La défense. Parfait. Ah, let's go. Non. Il a été retardé, ça c'est bien. Attaque du haut, oui, allez.
C'était de la merde. Merde. Il risque de faire mal avec cette attaque. Oula. Oula, 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 oula. Oh, wait, hey, 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 wait, 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 wait. Oh! Non! J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je peux pas abandonner! Oula, 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 oula. Allez, allez, allez! Aïe, 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 aïe. Défense, défense. Oh, oh, oh. J'ai eu peur. Pourquoi il y a faire aussi mal que ça là, poteau, calme-toi. Un coup critique alors qu'il est en mode carapace, hein, bravo. Let's go. Allez, bravo bon. Ah. Yay. Ok, on y va. Ah, il y aura une interlude. Let's go. Je vais ouvrir un coffre dans les ruines, je vais planter des lignes, je vais manger un sac fruit, je vais planter quelque chose. Je vais avoir une conversation de mec. Ok. Excellent. Tintin. Oh, Kyle. 10 séquences vidéo, ça fait bien. Dis-moi, dis-toi une chose, bien une chose. Une fois qu'on aura sauvé tout le monde, on sera des héros quand on rentrera chez nous. Des héros? Je serais déjà content si je peux manger des pâtisseries de ma grand-maman. Oh, celle que tu nous as déjà fait goûter. Ouais, elle était pas dégueu. Y a pas plein de trucs de genre, cool de genre en ville? Genre de gâteau avec une tonne de crème et tout? Bah si, y'en a, mais je n'irai pas non aux pâtisseries de ta grand-mère. Elle aurait un goût bien, elle. Et ouais, encore des points positifs du village. Et une fois qu'on sera rentré, on en montrera encore plus. Ouais. Je veux aimer l'endroit où je vais passer le reste de ma vie et avoir des amitiés durables. En vrai, j'aimerais bien goûter les pâtisseries de la vie, ça serait cool si tu pouvais m'en faire goûter un jour. Tu sais, ça pourrait détruire ton ventre. C'est si bon que tu auras demandé d'exploser. Ouais. Ah, que la tienne, j'espère que cette guerre sera bientôt finie. Grave, je suis Gamelody Melody of Steel 2. Voilà. Comment tout ruiner. Elle a quoi de spécial déjà, Miss Tinguette, qui fait des pouvoirs magiques en vrai? Restaure les PC avec les attaques normales. Oh! En vrai, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais avec qui? Restaure les PC, ouais, mais. Faudrait voir avec qui faudrait que je la mette, hein. Faudrait que je voie si je peux l'aider à avoir une relation amicale. Ouais, une relation amicale avec quelqu'un pour que ça fasse une bonne paire.
Mais avec qui Parce que ce n'est que purement factuel, quoi. Parfait. Ça va pas être facile cette affaire. Oh! Ça c'est bien. Oh! Let's go! Ah bon, ça va pas être facile. Oh mon dieu! Culasse assis, d'accord. Ah, doucement! Et la salle elle est petite, les gens! Oh le bordel! Y'a. Let's go. Il y a tout le Taranis qui m'aide là, pour le coup c'est assez marrant et mignon à la fois. Parfait. Oh le bordel. Ah le problème c'est que ça me donne beaucoup moins de PA. Ah. Tout le monde va bien quand même. Parfait. J'espère que j'ai pas fait une connerie dans cette interlude. Au pire, on pourra la recommencer. C'est déjà ça. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Ah, la ferme, la ferme. Surtout qu'en plus, on peut récupérer un truc normalement. Ah putain, y'a rien à récupérer dans le canon. On a suraméliorer notre. On appelle ça comment notre. Taranis pour le coup. C'est une bonne chose, je suppose. Oh! Ce char est en mauvais état, qu'est-ce que je devrais réparer? Les canons, la cantine. Exactement, Vébou. Je veux avoir une conversation avec... Oh, en plus, il y avait ça aussi. Bon, bah, let's go. C'est un peu... Je suis un peu dangereux ce que je fais, mais bon. Dans les murs. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois avoir envie d'un truc, mais c'est pas grave. Ouais, je vais la faire glisser. Ah, putain, le canon. Ah oui, d'accord, les canons, ils sont encore plus stylés qu'avant. Ouais, bon, c'est déjà ça. Faire personne. C'est le blindage, là, le plus important pour le coup. Peut-être que Boron pourrait tirer fragmenté. Comme ça, ça pourrait retarder et tuer exactement. Exactement comme écrit dans le Sengoku. Petite défense. Ok. Ok. C'était pas nécessaire, hein. Vraiment pas. Ouh, GG. Parfait. C'est ce qui s'appelle du bon travail de fait.
sas. Ouais, route normale. Route dangereuse, évidemment. Oula, putain, mais il est long ce chapitre. Merde. Cœur fragmenté, ce serait intéressant pour retarder tout le monde et espérer tuer tous les drones. J'ai bien fait d'espérer. Non, la défense est pas assez longue, donc petite faiblesse, ça serait intéressant. C'est bien. Ah, donc faiblesse donne moins de dégâts d'attaque, j'ai l'impression. Tu peux pas m'échapper. Ça devrait aller. Juste au cas où. Parfait. Oh shit, ils sont très gros, ils sont pas contents. Attaque duo est vraiment nécessaire. On est qu'à la deuxième phase, ça devrait aller si je fais attention. Tu peux pas m'échapper. Petite défense au cas où, ouais. Ah, c'est des trucs de blindage en plus. Oh merde. J'avais pas ça. J'ai bien fait de me protéger d'ailleurs au passage. Touche qu'à toi tous les ennemis. Est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est pas grave. Let's go. C'était relativement nécessaire pour le coup. Restaurer le blindage de tous les ennemis en plus. Oh no, bro! Tu peux pas m'échapper! On va le retarder, lui. Oh shit, ça fait mal. Oh. Non, mais je pensais que je pouvais te tuer tout. Blindage de niveau, ça devrait aller. Je parle français. Oh merde. Aïe 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 aïe. On est qu'à la phase 2. Autant se soigner. Tant qu'on a encore des tours. Là ça va poser problème parce qu'on va avoir le gros ennemi. Ok. Ça c'est cool. Yeah.
Ok. Pierre fragmentée, festival d'obus, ça serait bien de le toucher deux fois en fait. Pour le coup défense. Ok. D'accord. Serait temps de changer de registre, poteau, non? Merde. Bon, mon casou. Ah putain, en plus ça joue de colère. Oh. Let's go. Bonne chose. Voilà, tu vis, j'allais quand même vachement pratique en vrai. Hein? Ok. La double griffe, c'est pas cool ça. Ah, c'est moi, il a loupé une seule fois. Let's go. Je pense qu'il a loupé une fois. Yay. Plan. Oh, ah oui, d'accord. Oh, c'est vachement gourmand pour le coup. Ah, là ça va être un peu plus compliqué, je pense. Ouais. La route dangereuse va être beaucoup plus compliquée que je ne l'aurais pensé. Va falloir faire gaffe. Combat de boss dans pas longtemps. Avec le truc chelou là, le mec chelou. Ok. Et les gars, vous êtes déjà en colère. Voilà. Bon, le coup là, ça devrait les tuer, je pense. Vu que je fais des dégâts de loup. Voilà. Oui, il y en a encore. Putain de merde. Mais putain. Je peux pas attendre. Alors que je m'occupe d'eux rapidement. Nana. Pierre fragmentée. Augmente temporairement la chance. Ouais, pour le coup, j'ai besoin de ça. Voilà. Défense avant que l'autre me soigne, c'est déjà ça. Let's go. Oh, oh non. C'est pas bon ça par contre. J'ai déjà mis lui en colère la tortue là. Modasso, let's go.
Temps de faire des miracles, poteau. Ça fait quoi déjà ça? Ouais, 600 points de dégâts, ça va. C'est déjà ça en moins. Il va m'attaquer là, donc va falloir faire gaffe, surtout qu'il est en colère. Ou critique, ça c'est bien. Ah, ça fait mal! Culé, va. Double frappe, je pense que ce serait important pour le coup. Pour le retarder en plus. Mais comment ça, je l'ai pas retardé? Ya! Yeah. Oh! Le! Merci. Oui, tu peux manger. Allez, là, à faire faire gaffe. Combat d'élite. On le sait. J'aurais dû prendre le jean. J'aurais dû prendre le jean, quel con. Et vite, touche pas, touche pas. On touchait quand même, c'est enfoiré. Arrête, tout le monde est en colère là. Je pense pas que ça va le tuer. Je me mets dans la merde, je pense, mais. Aïe. PC, va falloir faire gaffe là. Comment on fait le con? Oui. L'énergie. D'accord. Un de moins, ça fait plaisir. Merci. Ça peut quand même être pratique, ça. D'avoir un petit peu d'avance. Qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en général, le niveau 3 c'est très galère. Ouais. Kyle! Merde, j'aurais dû changer avec l'autre gamine. Ouais, défense, c'est bien. Ok. Ah bah ça, je le savais, Miss Nugget. Juste au cas où. Tu peux pas m'échapper. Ah
ok. C'est vrai qu'il est très tanky lui, je l'avais oublié. Ah, ça l'a retardé en plus, c'est bien. Comme ça, je peux me soigner. Et surtout que les deux vont m'attaquer, donc... Ah, oh putain, un petit double griffe. Aïe, 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 aïe. Ça devrait aller. Parfait. Pour le coup, ouais. Aïe, pas pour le coup, bon. Merde. C'est vraiment une bonne chose. Ça les a pas tous retardés. Et ça fait le café. Parfait. Mille points de dégâts large. Ouais, même 14 000. Ok, 15, ok, t'as compris. Comment ça t'as pas... Il meurt. Faut que je fasse gaffe. Presque 2000 points de dégâts, il frappe comme un tank ce bâtard. Le son avec les filets énergétiques, putain. Ça fait quand même du dégât. Oula, 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 oula. Il est en colère, j'aime pas ça. Mais doucement, c'est pas une grosse Bertha ça. Culé. Bon, ça va pas être facile, je pense, là. Le calme après la tempête interlude. Il y en a deux qui veulent dormir. Je veux agrandir une installation, je vais faire la liste. Let's go! Miam 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 miam. Dun, da, 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 da.
Yeah. Oh là là. Donc ensuite, dans le carnet, je veux manger une salade composée. Je joue avec la poulotte à la ferme. Planter quelque chose. Ok. Là, merci. Je pense qu'on aura besoin pour la ferme. Agrandir la ferme, on peut? Let's go. Qu'est-ce qu'on peut me planter? Ouh. S'occuper du mouton, de la poulotte, du blé, chou, carotte. Et c'est tout, malheureusement. Bon, c'est pas bien. Ouais. Oh, il y a de la raclette. Il y a de la raclette dans le jeu. Gotti, Gotti. Gotti. On me disait que c'est Gotti. Bon, par contre, ça va pas être facile, les gens. On va se retrouver face à un gros problème, évidemment. Le problème étant que malheureusement, comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs au passage? Oh, je sais pas. Canon. Ouais, il va falloir augmenter quelque chose parmi tout ça. Yay! Parfait. Fil de nylon. Allez, au cas où. Yay! Donc, qu'est-ce que je peux faire du coup maintenant? Je peux dormir, je vais manger une salle de composition. Composée. Ouais, bon, on va faire une expédition. Miaou, miaou. Et attends, c'est Sock. Ouais, non. Il y a Malt qui veut se balader et Wack. Hack. C'est quoi ça? Malt. Hack. Et allez, vas-y, Jean, pour le coup, let's go. Parfait. 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 Double parfait. Oui. Voilà, parfait. Le doigt dans le nez, s'il vous plaît. Du coup... salle composée, vitesse augmentée, pourquoi pas aller. Ça va pas être facile, let's go. Merde. Carnet. Allez, combat de boss les gens. Ok, on y va. Allez.
Zone minière de Shetland, usine. Les enfants arrivèrent aux abords de l'usine dont parlait Jean. Bon sang. C'est l'usine de mon père, où cette gaz continue de faire sa loi. S'il te plaît, calme-toi. Il ne va pas t'énerver autant, voyons. D'abord, s'il en est d'accord. Oui, désolé. Un chat d'apparence particulièrement redoutable se distinguait de... Oh, Flamme-Quiche, let's go. Ça y est, la reine Flamme-Quiche est finie, les gens, on arrête. De la machine. Cette garce. Je suis le lieutenant-colonel Flamme-Quiche, des forces spéciales. On se rend. Comment je vais vous tenir tête à l'Empire Berman et tuer le colonel Brenzel, l'homme qui m'a élevé. Ah merde. Les paroles de la jeune femme firent sortir Jean de ses gonds. Ferme-la, c'est toi qui as tué mon père. Vous ne pouvez pas comparer les vies du peuple élu de Berman à celle des déchets comme vous. Vous devriez plutôt être honoré de cette pathétique usine servie à nous dessins. Je te jure sur ma truffe que je te pardonnerai jamais. Récupérons cette usine, tous ensemble. Oh, on se bat contre Femme Quiche. Oh, putain, je m'attendais que ça soit contre l'allemand. Ah. Elle est vénère. Comment cette musique elle te... Ah, la musique est en mode ouais, c'est fun, on s'éclate et tout. Ça pose des problèmes, mais faut faire gaffe. Ouh, let's go. Parfait. Ah, elle a une belle voix. Aussi. Non. J'aurais dû faire Ok, ça a rien fait. Oh putain. Au moins elle est sympa, elle nous prévient. Aïe. Aïe. Merde, j'aurais dû faire le truc de la peur. Mm-hmm.
Oh merde. Ya. Les deux tours vont attaquer, il va falloir faire gaffe. Let's go. Est-ce que vous pouvez me laisser lever ma tour un peu, je sais pas, 2 secondes? C'est trop demandé. Ouah. Ça retarde. Merde. Ah merde, 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 merde. Il va falloir que je soigne après. Ok. Let's go, merci. Aïe 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 aïe, couleur pour Guillaume. Mal. Oh. Bon, on a tué Flamme Kish, mais c'est pas grave. On se retrouvera sur Fur Infinity, il me dit. Je crois qu'il faut les niveaux lents. Merci. Je ne peux pas accepter ça. Et voilà, on a récupéré l'usine. Je me demande si les gens de l'usine ont bien. Maintenant, l'usine est libre. Père, j'ai réussi. Flamme Kish, miraculeusement toujours en vie. La garde, c'est survécu. Tuez-moi, comme vous avez tué mon père. Cédant à la provocation, Jin, c'est alors que... Tu n'es pas un meurtrier comme elle. Jin, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de la tuer. Jin baissa les yeux. Après un moment... Bon sang. Dégage, hors de ma vue. Même si on a réussi à reprendre Jin, je sais que c'est pas facile pour toi tout ça. On sera toujours là pour toi, Jin, d'accord? Les enfants décidèrent d'épargner l'officier Berman. Et commencèrent à... Flamme Kish leur jeta un long regard noir de haine. Et s'en alla. Mazette, étouffez-moi s'il vous plaît. Étouffez. Au secours. Comment un ennemi, ces enfants, comment peuvent-ils leur petite mouille? Jamais oublierai cette humiliation. Mommy, sorry, mommy. Oh, c'est adorable. Baron, c'est littéralement Mick, ouais, putain. Ah, j'ai jamais vu quelqu'un dormir avec autant de joie, autant de bonheur, autant de paix en lui. Oh là là. Petit village.
Une nouvelle entrée au rapport de Merman. Allez au village, bien évidemment. Allez, avec Merman qui enlève tout le monde, c'est pas une bonne période pour les affaires. Vous les avez imaginé, grand titre de réparation, merci. Quand je serai grand, je me dessiner une ville et je serai digne, d'accord. Pont, chambeur, grand clocher. Êtes-vous des colons égarés, priez Dieu, vous accorderez sa protection divine. C'est à moi de tenir ce film, vous pouvez vous être utile. Beau village. L'argent ne sert à rien, tant dire, tu veux changer quelque chose? Mais j'ai toujours pas beaucoup de munitions hein, intéressantes hein, pour le coup. Hein. J'ai beaucoup de grands kits de réparation pour le coup. Voilà, ça peut être pratique en vrai. Parfait. Je pense que je suis con. Prélude à l'après-midi d'une faune. Ah, nouveau enfant à rencontrer. On dit quelle heure là? 9h52? Putain, j'ai vite avancé. Les enfants libérèrent l'usine et les prisonniers de l'emprise. Ils n'y trouvèrent malheureusement aucun membre de leur famille. Mais selon les prisonniers, l'armement produit par l'usine était transporté vers la région volcanique de Lhasa Apso, en même temps que de nombreux captifs. Ces derniers y seraient forcés à des travaux miniers. Allons les sauver! Cette fois, je vous jure qu'on va les sauver. La vache, regardez où ils vont, jusqu'où ils nous font aller. Je reste avec vous jusqu'à ce que tout le monde soit sauvé. Merci. Ne plus en place, les enfants regagnèrent le Taranis, mais alors qu'ils quittaient le bassin minier et s'approchaient. Phew, enfin un peu d'air. Attends, nous sommes pris un arbre. C'est quoi ce pitch? Le Taranis accrocha un arbre, en haut duquel était installée la cabane. La cabane tomba en morceaux, mais la fillette sortit. Oh non, Bébou. Oh non. Elle va bien? La cabane s'est complètement détruite. Aïe, aïe. Ah super, j'ai plus de maison maintenant. Désolé. Oh, on est vraiment désolé. On pouvait pas deviner qu'il y avait une maison dans un arbre. Tu es ici toute seule. Elle s'appelait Wappa. Wappa, Wappa, Wappa. Jouait souvent avec les enfants du village de Moody, situé au bout des plaines, et agissait. Elle n'avait plus vu les enfants depuis que l'armée Berman avait pris la... Je peux pas les laisser s'enfuir après avoir détruit le village de Moody, j'ai pas raison. Je comptais justement aller les sauver, donc vous tombez à pic. Elle adore. Elle est trop adorable. Elle est trop mimi. T'aurais pas de débrouillard, mais pas de panique, je serais votre chef, allez en route. Ouais, c'est moi le chef ici, pour qui tu te prends? Déconcerté par tant d'entrains, mais néanmoins responsable du sort de la cabane. Yeah. Wappa, y'a pas... on m'a pas conseillé un truc avec Wappa, justement. Attendez deux secondes. Et dire qu'on est qu'au chapitre 5, putain. Soit Boron une tour réserve, un Avsoc support Wappa instead. Wappa a une très grande chance de coup critique et Soc le boost même de beaucoup plus loin. Ça résulte que Wappa va presque faire des coups critiques à chaque tour. Et même plus si vous avez utilisé son boost de critique ou manger des d'accord Oh my god, d'accord. Donc Sok est... D'accord. Bonne nouvelle pour le coup. Je vais me faire un café et on va continuer les gens. Donc on n'est pas très bon. En avant tout! D'ailleurs, je suis content parce que là, normalement, aujourd'hui, je reçois mon argent. Et je vais pouvoir me prendre The Crew Motorfest. Et ça, c'est bien. Parce que, ben.
jeux de voiture, jeux de vroom vroom, j'aime bien les jeux de enfin j'aime bien jouer à des jeux de voiture. En plus de ça, Ubisoft a décidé de laisser les développeurs faire leur travail. Ce qui est une première de la part d'Ubisoft de version moderne. Merde. Et comment dire? Et merde. Et ben voilà quoi, c'est jeu de caisse, jeu de voiture. Bon jeu de voiture pour une fois. Jeu de voiture arcade en plus de ça, qui plus est. Donc let's go. Surtout que j'ai relativement apprécié ce coup 2, malgré tous ces putains de problèmes. Oh mazette. Oh non mais je vous jure, hein, ce coup 2 c'est une catastrophe sur beaucoup de points, même s'il y a quand même de bons points par moment, notamment la map qui est quand même sympa en dehors de la route, des routes de merde de ce jeu. Oui, oui, on... Je veux jouer à la ferme avec le meuton dans la ferme. Je veux dormir, je veux cuisiner dans la cantine, je veux admirer la vue depuis la salle d'observation. Pour ça, ça va être facile, je veux cuisiner dans la cantine, je vais faire une soirée pyjama entre filles. Je veux parler à May. May! May! J'ai mis 5 heures, donc ça devrait aller. Padapadapampam. Je veux parler à WAP. Mais ça me dit parce que surtout Flamkish en fait c'est juste Pretzel mais qui fait des dégâts de peur quoi. Allez, sacrée récolte. Tac 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 tac. Y'a rien amélioré. Tac 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 tac. Miam miam miam. Salut. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Elle est où? Une flinguette là? Non mais tu tournes. Eh oh! Il est rentable que je sois accepté comme chef. Pourquoi tu te revenus toujours sur le chef de la table? Bah j'étais le chef de cette bande de gamins pour mon voyage, du coup faut que je garde mon statut de chef ici. Et pourquoi t'es si obsédé par l'idée d'être chef? Tu sais que ça veut... Ouais, vraiment rien dire le chef. Évidemment, le chef c'est le big boss, allez tout le monde, suivez-moi, c'est pas comme ça non. Non mais non mais... Si tu vois rien, j'aurais préféré. J'adore, elle est adorable. Elle est trop mimes. Insupportable. À bord du lac Spino. Le lac Spino se trouve dans la région ouest de Gasco, la zone environnante comprend d'autres lacs de diverses tailles ainsi que l'envers. D'accord. Merci. Ta-da-dan, ta-da-da, ta-da-dan, ta-dan, 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 ta-dan. Ok, ok, elle a l'air vénère, elle a l'air vénère, et ça fait bien. Et du coup, faut qu'elle parle avec Sok pas mal de fois. Oh, mais elle s'entend avec tout le monde ou quoi? Eh, la minox, c'est quoi le problème? Voilà, t'as oublié de faire les filles, c'est ça? T'en fais pas la binox, je vais pas te manger. Ah, parce qu'on est pas invité de m'appeler. Ah, j'aime bien t'appeler la binox, mais tu voudrais que j'arrête, c'est ça? Jamon, sans clignon. Ah, je sais, mais t'es le seul à porter les lunettes ici, ça sonne bien, ça fait un peu prof. La... Oh, ça va, c'est bon, j'ai compris, si t'aimes pas, t'as qu'à le dire. Elle est géniale.
Mais en plus... Ouais, en plus, ça consomme pas de PA, c'est cool. Tu sens que t'ennuies de ouf. C'est moi qui dis ça. Non, pas vraiment, je suis super occupé. Vraiment, tant pis, je vais te raconter l'histoire marrante, mais si t'ennuies pas... Vas-y, si elle est pas trop longue. J'ai cru que t'allais mourir d'ennui, si tu pourrais pas... Ouais, tu meurs si tu t'ennuies. Ouais, c'est la sainte vérité, mais ça reste entre toi et moi. Voilà, non. Elle est insupportablement marrante, je l'aime bien. Yeah. C'est quoi, Hack? Tu ressembles à une de mes petits disciples du village. Hein? Attends, je te teste. Dis grande sœur pour voir. Le grande sœur? Ah, je le savais, t'es comme tu me suivais toujours partout comme. Ah mais du coup ça a blablaté quoi du coup. Ah oui. Bonjour, je parlais avec vous. Je vois. Quoi? Tu es si simple, on dirait que tu penses jamais à grand chose. D'un autre côté, t'es conscient et intimidant par nature, juste en étant toi-même. Oui. C'est parfait. Je sais pas si c'est un compliment, si tu moques de moi, explique. J'ai pris ma mission, tu peux être mon subalterne. C'est un grand honneur que tu as là. Ah, je sais pas ce que c'est qu'un subalterne. On va faire simple, c'est mon disciple numéro 1. C'est cool d'être numéro 1, mais je veux pas être un disciple. T'en fais pas, suis-moi et grand chose, ça arrive. Fais-toi. J'aime trop ce jeu. Mais Fina, paraît que t'es magicienne. C'est pas vraiment comme des contes de fées, je peux utiliser quelques incantations. Je connais pas la différence, mais tu peux faire des trucs, hein, c'est trop cool, montre-moi, montre-moi. T'en fais pas, je me sens pas très bien, je suis désolé. Bon, tant pis, peut-être la prochaine fois. D'accord. Oh, la peau. Elle culpabilise. Mais bouh. Et la mauvaise, pourquoi tu bacques toujours le travail? Mauvaise, quel registre! Et dire que je bacque le travail, c'est pas mieux. Même si sur lequel j'ai vu t'exciter tout à l'heure, faut les viser à fond. En plus, il y a des moments où il faut pas, si tu fais ça, tout va s'écrouler au moment du mirage. Ouais, j'ai fait ça vraiment, je vois oui, que j'ai pas vraiment ce que je faisais. Ah putain, il reste ce duo. Il a fait recourir, c'est totalement avec son personnage, quoi. Toujours à fond. Bien, bon boulot. Tu es vraiment dynamique, n'est-ce pas, papa? Un chef se doit d'être dynamique. C'est tout, toi. Mademoiselle chef, si tu es énergique, nous pouvons l'être aussi. Et ça fait tellement plaisir que tu as fait ça en tant que chef. Tu étais le chef des enfants au village, pas vrai? Quel genre de choses tu faisais? Ben, voyons voir. Ben, pour les soucis de mes ici de bavé, je les ai aidés. C'était un chef sur lequel ils pouvaient compter. Ouais, vraiment. En fait, quelque chose me perturbe. Qu'est-ce que tu pourras me donner un coup de main un peu plus tard? Ouais, je suppose que j'ai pas le choix en tant que chef, c'est mon devoir d'aider. Ça fait beaucoup de blabla, hein, pour le coup. Non mais par contre j'ai lu, hein, vous inquiétez pas. J'ai tout lu, hein. Il me reste Kyle maintenant. Et toi, j'ai une question gênante, mais t'es enfin ok. C'est quoi si c'est pas mon droit de mettre en colère? C'est quoi la dernière fois que t'as pris une douche? Qu'est-ce que tu peux t'effondrer un son là? Attends, la dernière fois c'était... Tu galères autant à t'en souvenir. La ferme, ça m'a simplement sorti de la tête. Une fois que t'as oublié quand même, c'était... Si j'ai oublié. Va prendre une douche maintenant! J'ai trop envie de voir juste mon petit gars. Et c'est toi qui dis ça.
Non, ça me fait penser aux memes, My Little Pony, où l'un des poneys avait un sac de course avec du déodorant et du gel douche, je sais pas quoi. Ça me fait marrer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? La relation entre enfin l'affinité avec comment ça va? Oui. Mais je suis le roi des cons. Salut. Tu vas bien? Allez. La guerre me fait peur, mais les armes m'excitent vraiment. Tu sais qu'elle tue des gens. Parfait. Du coup, faudrait planter des choux et je ne sais quelle autre connerie. Pas mal, sont contents, ça fait plaisir. Je vais dormir, je vais ouvrir un coffre, le mouton, j'aurais dû mettre le mouton. Soc. Je me charge. Quel découvert. Il en reste 10 points, il va falloir faire gaffe. Séquence vidéo, c'est gratuit. Salut. T'es encore en train de froncer les sourcils? J'ai pensé à une invention utile à notre tour de la maison, mais je trouve rien. Peut-être parce que tu fronces les sourcils, pour penser à des trucs marins, il faut sourire. Regarde, tu te souviens de ces moments où on traversait avec les moutons dans les champs et qu'on pensait à ce genre de choses? Ouais, c'est un sentiment merveilleux, je l'avais presque oublié. Pas de temps a passé depuis, mais ça me paraît une éternité. Seulement, nous avons quelque chose pour nous rappeler ces moments, comme des photographies. Un appareil comme une radio, mais qui permettrait de regarder des images. Nous pourrons ainsi revivre ces moments autant de fois que nous le voudrons. Oh, c'est adorable. C'est l'inventeur de la photographie. fil de soie, fil de nylon. Non. Let's go. Tan 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 tan. Yeah! Oh! Pas mal. On peut faire une expédition. Jouer avec le mouton, je veux jouer évidemment, faut que ça soit wack. Tip 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 t
Ah, il faut quand même avoir un peu de timing pour le coup. Yay! On peut toujours pas améliorer quoi que ce soit, malheureusement. Allez, c'est parti! Eh ben on y va. Ils sont là. Protégez-vous. Très bien de le retarder. Frappe tous les ennemis volants, ça c'est bien ça par contre, c'est tellement bien. Étrangement addictif comme jeu, on va pas se le cacher pour vous. Yeah. Oh shit. Frappe aérienne, c'est bien alors. Ouais, ça aide pas mal. Oui. C'est quoi? Ça fait mal! Ça tarde un peu, moi je dis, hein. Ça tarde un peu trop. Il faut faire un petit peu de ménage par ici. Je dis ça, je dis rien. Ça fait le café, moi je dis ça fait le café. Mais c'est quoi? Un gros problème en fait. Yeah! Attaque. Oh, fumigène, ça c'est bien. Toucher deux fois l'ennemi rend. Ouais, c'est une glace canon, j'ai l'impression, Miss Tinguet. Ok. Oh merde! On en a bien besoin pour le coup. Faut espérer que ça réussisse. Ah, c'était nécessaire hein, pour éviter de. Que ça dure trop longtemps. Y'a rien. Ok. Ok. Bah oui, route normale, évidemment. Tout ça des ruines. Ouais, là va falloir faire gaffe. Je pense que c'était pas. Ouais. On verra ça. J'ai bien fait. Oula, ouais.
Oh. Juste au cas où. Donc c'était pas non plus nécessaire, mais bon. Ok. Ok. Merde. C'est pas fini. Vous êtes fini. Sérieux? Pourquoi il y a... Ah, par moment j'ai un... Ouais, j'ai l'impression que souvent par moment le jeu veut nous mettre en... En mode, oh ça va, tout va bien, se passer et tout, on se sent en sécurité, le jeu est un peu fort, faut pas l'oublier. Let's go. Oh ma zette. Bien. On va pas laisser faire. Ouais. Attaque normale, touche de fou. Oh ma zette. Une petite ruine, ça fait du bien. Ruine découverte, dieu de la forêt niveau 2. En plus, ça c'est bien. Ok. Non. Ouais, faire gaffe. Surtout qu'il y a l'air d'avoir un timing pour vaincre cette créature. Let's go. Ok. Ouais, exactement. Et... Sas. C'est sensationnel. Ok, on y va. Alors, route sur normal, 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 normal. Ça devrait être normal de prendre la route sur. Oh my fucking god. Frappe aérienne ? Dommage ! Comment ça ?
Mais frérot, tu vas mourir là. Triple S, ça fait plaisir. Ah, ils sont très très prudents pour le coup. Tu peux pas m'échapper. Il dépense, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai qu'il y a l'attaque de normale de foi. Ah, évidemment. Allez. Merveilleux. Allez, on fait bon. Vous êtes finis. On va bien rigoler. Ok. Juste au cas où. Juste au cas où aussi. On va faire attention maintenant. Lui va plus poser problème que l'autre. Merveilleux. Tu peux pas m'échapper. Ça va aller. Let's go. On a réussi. Comme c'est étrange. As. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, let's go. Ah bien, on sait. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'on est bien? Wap. Bien installé au sommet du Taranis. Qu'est-ce que t'as? Un rapport à faire à ton chef, je t'écoute. C'est pas toi notre chef. Parle plus fort, je t'entends pas. Sinon, vous êtes plutôt marrant, vous et votre char, vous plaisez bien. Sans prendre la peine de répondre, Wappa regardait le paysage défilé sous ses yeux avec amusement. C'est un interlude. Alors, je veux améliorer le blindage du Taranis, je veux planter des légumes dans la ferme, je veux améliorer le blindage du Taranis. Ok. Bon ben allez, si Dieu le veut. Merveilleux. Parfait. Ensuite, carnet. Je vais planter les légumes, j'ai faim. Il y en a beaucoup qui ont faim pour le coup. Donc un petit pain. Ça fait plaisir. Ouais, il faut pas oublier qu'il y a ça. Ferraille. Il y a rien. Let's go. Pommes de terre, carottes, tomates, choux,
Poule, toi là. Attendons un peu. Alors, peut-être. Salut. Je parlais à Boron. Ok, ben, magicien. Let's go. En plus, c'est 50 yo, donc c'est gratuit. J'ai failli tomber, ça va? Ouais, je vais bien. Je t'ai fait peur, non? J'ai du mal à faire comprendre, je suis désolé. D'accord. Au revoir. J'ai vraiment fait peur. Oh, Bébou. Mais t'en fais pas pour ça, Bébou. Tac, 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 tac. Un petit coup de main. 3 PA. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente un truc pour manger. On va faire un truc à manger. Augmente l'attaque en plein chance de coup critique. Parfait. Ouais, c'est parti pour la prochaine année, jusqu'à la prochaine interlude. Sérieux, meuf? Oh. Oh mais... Les mecs, tu vous m'étonnez pour que vous vous faites rouler dessus par des enfants, frérot. Merde. Je vais en mettre un. Furtivité, mec, tu vas te faire éclater. Presque. Très très furtif, hein. Je t'avais presque pas vu. L'adorable, ça m'énerve. Juste au cas où. Ouais. Oh là, c'est un peu plus vénère pour l'instant. Pour le coup, pardon. Allez, let's go. Merci pour rien.
au cas où. Ouais, elle va le toucher. Meuf, elle fait trois fois ta taille. Ah, on a enfin le as. Let's go. Oui, oui. Ouais, route dangereuse, ça va devenir un petit peu plus dangereux. Ouais, la musique est un peu plus sérieuse. C'est important parce que les drones sont quasiment bons. Parfait. Avec Bozo. Ok. Et 3 d'or. Ok. Merde. C'est vrai que ça aurait été bien d'être avec Malte pour le coup. Ça aurait été bien que l'autre fasse le double griffe. Connard. Merci. Attends, ouais, j'ai baissé le blindage suffisamment. GG. Merci. Bon, une fois que tu fais ça au moment où je me protège, c'est bien. Merci. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, c'était inutile. Juste gaspiller des PA pour rien. J'aurais dû me protéger peut-être. Merde. Connard! Tu peux pas m'échapper.
Merde. Wow. On doit en profiter. Mon cher Ox s'attaque eux. Merci. Quoi ? Oh, doucement. Hey, Papa Bray, sorry. Shit. I'm really contemplated because this game is a little bit strategic, a little bit. I'm so sorry. I'm so sorry. Welcome everyone. Lolology God, good to see you. Me too. Me too. Sorry. I'm a little bit tired. I'm feeling a little bit dizzy, but you are welcome. That's not a game that's really easy to stream, because this game is almost every time this. So yeah, it was time is on your hand. Time is it is on your hand. Wait, a second. You talk to a French mate. Yeah, what time is it on your end? I think you talk about my country. It's morning. Ah, what's it? But it's morning, so what time is it for you? I'm stupid because I think you talk about me and not my country. fine, a little bit tired, but fine. And plus, I play Fuga, so I'm fine. So, wait. You deconcentrate me, so that's not good. I don't know. It's the last round? I think so. I forget some phrase. I know to you, mate. I don't know. That's not a problem. But I am... nobody look my stream. In general, so I'm a little bit confused to talk, so yes, that'll be good at least. Yeah, not problem. I see a shadow, so yeah. Donc, attendez 2 secondes. Yes, parfait. Je pense qu'il va falloir que je me défende. Tac tac. No. Yes. Let's go. Big run time. Let's go. C'est bon. Allez. Comme. Merde. Ça va pas être facile cette affaire là. That's not gonna to be easy. Ah, Malt and Kyle, let's go. Yep. Let's go. Let's go qui dérange son salaire du PC.
I'm not usually to stream to, with talking English because I'm French, obviously. So that's not my native language. I talk English mostly because my life is entirely in internet. I have English friends and yes, I play sometimes video games with English language and subtitle French, enfin French subtitle, sorry. So yeah. But that's not easy to stream with talking English because I know the Bray, Papa Bray have community English and me, I'm French, so that's not easy. But you are welcome, you are all welcome. I can speak English, I can talk English, that's not a problem if you talk English. Yeah. If I have, if people, mostly people talk English in my stream, I talk English, but I talk French mostly, because I'm alone, I am not really a French community, so... That's good? Yeah. And the good thing about Fuga, it's this game is made by the Japanese people, but this game is technically in this game is technically in France, but in utopia, dystopia, something like this. Yeah, mostly this game have a lot of Europe influence, World War II, etc. And you can see because it's World War II, but yes, the Bearman is technically the German, Parisia is technically Paris, so yeah. And the funny thing is the protagonist talk in French. I think even in English language and Japanese language, because CyberConnect 2 really want to make the detail, so the protagonist talk in French every time in every language. That's cool. That's really cool. I really like that. When you play a game when the game is when the universe of the game is in France or any country, the protagonist talk in the native language, and I love that. I hate when video games editor, because developers want to make a good games every time. But I hate when the game the protagonist talk in English in France. That's stupid. I don't like that. It's a detail, but that's stupid. Aïe. Ah, it's two round. Okay. Oh. It's an entire enemy army, so. Yes or not, I don't know. Ah, no. Let's go. Come on! The Gatling is not supposed to be strong against the hair enemy. Okay. All right. Yes, definitely. I love Wappa. She is really, really strong with Sok. It's incredible. It's important in this game. I recommend to play Fuga. I'm not a big fan of strategy games,
but this game is just incredible. Because the character is funny, the story is incredible. You love the character in the tutorial. It's incredible. But the thing I love in this game is it's an exigent game. This game is really hard. Really, I'm not even joking. This game you need to know how this game works if you want to survive easily. Almost easily, obviously. I replay the game because in the chapter 2, I'm not wrong, I can't continue anymore because I die every time. What it means, I nitpick about the detail in video games, like I like when the protagonist talks in native language. Like in Fuga, the protagonist talk in French, even if it's in Japanese language or English language. Yes, it's a nitpick, it's just a detail, but I like this. Ah yeah, I know what you mean, yeah. This is why, I repeat myself, but I hate when the game talk in English, when the protagonist is French, Russian, or any country. So yeah. But I love this game too aussi because... this friendly... I love this game too because it's simple. It's a simple game. It's a simple game, but it's complex. It's complex with the simple gameplay. Because you need to know how the character work if you want if you want to destroy the enemy. Because the enemy in this game, it's like a truck. I'm not even joking. The enemy don't have any mercy against the children. They destroy you easily. Mostly the elite enemy, but... So you need to know how to make the duo character, enfin the pairs, I don't know what to say. Like Wapa, the little girl with red hair, she's have a lot, I am not even joking, she's really strong with the critical hit, and this, and Sok, oh yeah, Sok, ah yes, Sok, up the critical chance, so this pair is really, really strong. I'm not even joking, because Wapa, she's almost critical crit hit every time. Anna and Chick, it's a great pair because Chick have a less PC. Yes, she's reduced the agility point, technically. So Anna can heal you every time, almost every time. It is a great thing. And Malt and Kai is really, really strong because Kai is really good in terms of precision attack. Enfin, precision. And Malt is strong. So yeah. It's a great, great pair. I love it. Dude, I cannot describe how much I got pissed off at Assassin's Creed Unity having French people speak like they are fucking British. It's a good game! In my memory, the game is really bad in the beginning. But I hate Ubisoft so much for Assassin's Creed Mirage. Because when I see the parkour gameplay, I'm like, it's Assassin's Creed 3. It's so... I don't know, the assassins do a parkour like it's a robot. And Assassin's Creed Unity, you feel like the assassins is human. It's so fluid, it's so great, so good. The parkour in Unity is really incredible, I'm not even joking. It's really a downgrade. It's big parkour in the series. Yes, and the level 2. Paris is really beautiful in Unity. It's a... I hate Ubisoft. For this.
Unity could be the one of the best episode of the franchise if Ubisoft don't made the Ubisoft, modern Ubisoft. Bref, sur lui. Ah merde. Yeah. I wonder if it's what because parkour is French. I don't know. But I think yes and no, I don't know. It's not bad, it's not stupid. Yeah. Maybe at this moment Ubisoft care about the parkour in Unity to make a good parkour and good game, almost. Yeah, I think, but that's stupid to downgrade your entire gimmick in your franchise after Unity. I'm in danger. I'm in... Could you die now, please? Thank you! Let's go. Okay. Please, stop! You're cringe! My PC is really... I don't know. What are you doing? That's not a problem. The thing I like too is Dying Light. Dying Light have a good gameplay in terms of parkour. The one is really grounded, really. But it's too... not too bad, but Dying Light 2 is really great. It's better in my opinion, but... I don't know. The problem with Dying Light 2 is it's an unfinished game. Mostly because the editor, or maybe the investor is a moron. I don't know. Yes. I have an Indy. I'm talking about Jean, please, Jean. Could you please do a great work with your minefield? Please. Come on! I love you, Jean. You're a good boy. I want to kill myself. Shit. Ah! No, it's almost alright. The tank is really the real menace. Because the helicopter is... it's just a moron. It delay you. It hard, but it mostly delay you. I love this OST, this soundtrack. OST too. But this game is really great about that. And this is the Elite soundtrack, Elite enemy soundtrack. It's beautiful, really. In my memory, CyberConnect 2 is the Solato Lobo, if I'm not wrong. I think so. But I love this design of robot, mecha, tank. It's almost simple, cartoonish, but beautiful. I like this. So, yes, the game. Is the guard, exactly. I love the real tank. It's not a problem, but... When I see the prototype of tank in World War II, I'm like, oh, come on. Oh, why the war actually is with the little tank and little weapon, etc. It's boring. What's the big tank? With the funny tank?
No, I can't do that, I can't do that. I'm in danger. The Bob Sample Tank from New Zealand, the greatest tank ever made. Maybe. I don't know. Oh shit. Wait, I'm going to look after that. Oh shit, no. Come on, stop! You're cringe. Really cringe. Ouais, I need that. Lol, look up. Ouais. Don't worry. Wait. Because my stream setup is really bad. I have Hammer Media, Avel Media camera. I have my phone for look the chat. And that's all. Oh shit. Wait. Ah, no, that's all right. Wait, so at our name is the Bob Sample. Okay. Bob Sample Tank. What the fuck? What the fuck? He's so goofy! He's really so goofy! He's so cute! He's menacing but took two! That's a great meme, I take this. Bob Sample Tank. Tank! Even Wikipedia is unsure. Why it's just a... It's a tractor with corrugated iron. Ouais, almost like Killdozer, technically. The Killdozer is just a bulldozer with a good wait. I hate myself because I know how to speak English, but even speaking French is hard to me when I'm so concentrated, confused. Even with the blindage, the the tougness. Lol, but this was the early tank we made in World War II. Well, but I like this. That's not gonna be easy here. Let's go, I suppose. He's so cute. Almost every time she do a hit creeps, that's beautiful. Yeah. Come on. Ah. Thank you. Could you hit hard, actually? Come on, just a little bit crit. But for me, obviously, I hate the realism design in video games, in almost everything, but in video games too, because when I want to play a video game, I want that to be fun, that to be impressive, I want to change my mind. Because real life is pretty boring, really. So I really like when the video games do a goofiness in terms of design. So yeah. Armored Core is almost for realist in terms of design. Connard. Ah merci. But Armored Core is massive in terms of scale, in terms of, ouais, in terms of scale.
And the mecha is pretty goofy almost every time. You can have a wheelchair build. So yeah, that's incredibly stupid, but it's well, yeah. Depends on what I pay to, yes. But that's the band, obviously, when you that's the band of the game too, so it's normal. Take your damage! Please! Non. Ah putain, ça va pas être facile tout à fait. Putain, come on! Do something, please! I don't have a choice. Come on. Oh! 1000! No, that's gonna be hard. Good. Aïe aïe aïe. Defense. Non. Oh. I hate this because when you are in the middle of your life, the children have a high chance to have a nerf. I have a problem like depression, fear, and other debuff. And in this game, when the children have a debuff, it's really, really tough. I'm not even joking, it's really, really hard. I think I need that. Thank you. Defense. No. You see. It's a great strategy game, because it's simple and complex too. Come on. Ouais. Putain. Non. L'ennemi il a deux doigts de crever. He's almost dead. I can use my power fuel mod like this. Let's go. This fight take eternity because I speak, but if I don't speak, I almost finish the chapter. Yay. Let's go. But that changed. Yes, let's go. Oh shit. The boss is almost here. That's a normal Westy. I don't have to tell that, but the soundtrack is pretty funny. It's pretty it's pretty country in my country, but it's the country version of the country America, technically. It's gypsy, a little bit gypsy, I can tell that. Yeah, that's not so epic, but I don't know. It's childish, it's from the little town in my country, so it's good, it's calm, it's cool. I like this. Ah, underrated soundtrack, if I can tell that. Hey! That's almost middle age. I don't know how to tell that, but you know the chivalry time of my country. You can tell that too. Yeah. It's a good image. It's a good image to figure that. Tic.
Bama. Stop avec ton dard, toi. Oh no, bro. Encore, et ça devrait aller après. We are stupid. Everyone here is stupid. Let's go. Allez, Mal. Non, non, elle voit pas. It's so beautiful to see that. Let's go. I need healing. Parfait. Ah, it's a simple round. Ok, that's good, that's good. Ah, shit. That's not gonna be easy. I don't know, I don't know. I think the next boss is ultra elite simple enemy. I don't know. We are gonna to see that. On va pas se laisser faire. This helicopter thing is so goofy. Yeah. And technically, it looks like a UFO. I want to believe. That in real life, that's not that can be useful. Enfin, the thing gonna crash in almost time in real rapidly time. I don't know. Let's go. Come on. But you know. It's not look like useful, but the cool appearance do work every time. It's if it's cool, it's you can use that. Let's go. Oh, merde. I need that. Yeah. Come on. You know what? Fuck it. That's so... Ah, I like this. Yeah. Non. Non, mec. Ah. Yes. Parfait. Parfait. Ça va. Normal attaque. How the fuck I did not dead. I don't know. I really don't know. I mean, the Talanis, our tank, is really powerful. It's an antique weapon, and this Berman tank is just a metal thing. It's just strong. How this guy survived to this attack? I don't know. I need that. But that's not a problem, it's a strategical game, so fuck it. Oh, thanks. Wait, this guy actually called it Berman, yes. It's not the German, it's the Berman. The Berman, Doberman. No, Doberman, Berman, because there's a dog, dog guys. There's the version dog of Hellman. Enfin, the German, sorry. So yeah, Berman. There's a wordplay. That's called like that. When you play with the word, the wordplay. I don't know.
Come on. Ah! I can imagine what that's supposed to be. Come on. Bray, come on. The German. kill. I said kill, please. Parfait. Ah, I don't like this, but... Okay. I know that was hard. Yeah, two. What?! Just these guys?! Come on! Ah. Yeah, bon. No, allez. Just this guy? This poor little drone? Have mercy, please! Run! This is maybe because I don't like this. I don't like this. The boss is gonna probably strong, I think. I don't like this. I really don't like this. The game is good with me. I'm not even joking. This chapter have just one or two fight, two elite fight. I don't like this. I hate this. I don't feel so good actually. The fight boss gonna be wild. Or not, I don't know. I discovered the game, so I can't know, but I don't like this. And what do you see actually is the interlude. That's just the social part of Fuga. It's really important. I'm not even joking. It's important, really much. Why? Because you have a PA, action point. You have 20 action point. And every action you make, except walking, obviously, it's use the action point, and the interlude can help you so much with the next chapter, with the next section of the games, because you can buff you need to go to the farm to have more food, to have a better buff. You need to have affinity with the character. That's really important. It's decisional. So yeah. Okay. Pommes de terre, tomates, mouton, poulotte. Oui. Oui. Ça va bien passer. Let's go. Oh, on voit pas. En plus. I need to hit sprays. Souffler. Yes. Parfait. Compétencier. Oui, eating good. La lessive, oui. I think it's free. To make the lessive. Et vous want to do that? Lessive. D'accord, c'est Kyle and Chapa. Kyle and Sheena, sorry. Ça peut. Yay! The fish rod? Wait, what? I have the thing? I can do that? Yeah! Let's go! That's really good. Parfait. Can I upgrade my tank? Nope. What can I do? Sleep. Everyone wants to sleep actually.
I don't know. Ok. Ok, people are gonna to sleep. It's usual because it's a good amount of XP. Malt, Anna, and Sock. Ok. Yeah, yeah, good. Good, really good. Ok. Ok, we're gonna to talk. With May, yes. It's not a fun, it's not really the fun part of Fuga. But it's fun when you are alone, but when you stream, it's just that. It's, yeah, it's calm, it's really calm. But the chapter is named Calm Before the Storm, so obviously it's the most chill part of the game. Oh, you... Oh, putain, I'm gonna do the traduction this. Ah, shit. Ah, it's like Undertale. I'm... Oh, shit. I know the word, but I'm so stupid to know what I'm... French concern moment. Je me demande. Attends, c'est quoi? Je me demande. I'm question. Non. I'm question myself if I'm question myself a good if I can lose a pound. Yes. Oh, you gotta say that. Dance? Let's go. Let's go. Ah. I'm better to translate the English text than translate the French text in English. Really? Malt. Jemanakip. You know why? Wait, what time is it? Ah, almost... Allez, just an expedition. I can understand it's all G, yeah. Come on. I need that. Dieu de la forêt. Yes. Malt, hack, and Wappa. Wappa is really important. It's all good. Okay. It's a mini game. This is a puzzle game, technically. Okay, 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 okay. Ah! Cool plan. You need to know. Just know. You need to know of to finish the rune. Yes, that's easy. Ah, come on. Almost easy. Let's go. But this is really important to do that because the ruins give you a lot of useful stuff to upgrade the Taranis. And give you a lot of good stuff. I don't like this. Why? No, we are 5 bullets. I need more bullets. I need more bullets. Hasta la vista. Hasta la vista. I need more bullets. It's a French guy. It's funny because the I need more bullets guy is a French guy. Les doigts dans le nez, on dit. Oh, ça c'est cool. I have success. Let's go. Ok. Le franc. Are you ready, people? Because now this is the boss time. I'm gonna bounce. I have a good thing. Thank you, boss. Have a great day. It's a boss time. Ok. Le village dont parlait Wappa était effectivement sous occupation Berman. Ok. Look! A bear man! Oh,
Is the cube? I'm gonna do dark French flame. Ils occupent vraiment le village, on parlait même pas. Alright! We're gonna fight them, guys. Wait! Shrimps. You are gonna to be hurt if you run. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Let's go. Ok. Me, I'm Wappa, young guys, and I'm here for take my disciple. So move on. Fight boss. What? The drill dozer! Oh shit, I don't like this. Ok. Ah. Je pose une question. Vous Great. Ok. Great. I don't feel good. I don't like this. Ok. Just in case. Charge la forêt, ok. Ouais. Non, non. Why it's feel... I don't feel so good. I don't know why, but that's strange. Yes, he's took, but I don't know. Okay. Critical hit, that's good. Ah merde! Yeah. I like this. I don't really need the healing actually, but just in case. Yes. Crits, let's go. Yeah, I need that. I like this soundtrack. Oh shit! Aïe aïe aïe! What? No! It's really strong! Oh, come on! Let's go. I need healing. Because it's really strong. Yes, that's Hala. That's good. Shit, I'm in danger. No! I need to destroy this guy. Ah, Ornis, I'm catch you? Fuck off, mate! No! Oh, this DPS check. Come on! Wait! Is this a pair? You asshole! The guy survived to that?
You absolute buffoon. Non! I deserve that. I deserve that. It's really hard. I don't like this. What? Ah! Oh, tais-toi. That's alright, that's alright. I wish. I don't like this. I think I need that. Come on, come on, come on! Let's go! Ho ho! I like this! Perfect. Heal. That's a good one. Oh, triple frappe, triple hit. Oscar. Ah, l'arme secrète de Gasco, quelle puissance. Qu'est-ce que j'avais dit? Bref, maintenant rendez-vous à les cibles, ça saute. Le village libéré de l'armée Berman ne présentait cependant. It's alright for the village. The Berman leave the village. Ils en conclurent que les villageois avait sûrement été transporté au même endroit. Obviously, the villager voit pas. Have probably taken bad away from the family. Bonne question. Why why take them in the everyone in the same place? I wish nobody have been hurt. If they'll take them, if for something, so I'm sure they're okay, they are okay, I'm really sure. Rude! Alright, follow me, we are gonna to save them. Devant se contenter de cette maigre piste, les enfants reprirent la route. Even if the... the clue is little. The kids take the road. Country road to the place I belong. Oh shit! Oh shit! Okay. Oh shit! It's a moron. Axe. The bad guys. Je n'entendais pas d'un démon d'acier. On dirait un dieu, ça serait bel et bien nécessaire pour vaincre le diable. So he sees the power of the Taranis, and this guy has a god complex. Ah, okay. All right, guys, I finished the stream. That's really good. It's a really good stream. Thank you so much for, thanks Fable Ray, and thanks you for coming. it's really a good stream. That's like a long time I am not that a good stream, so thank you so much. Wait, the village. We are gonna to the next level and we finish that after that. Okay. D'accord, dans beaucoup de... Oh, j'ai fait une écho, d'accord. Je me cache ici, moi je suis soulagé. Hello. Ah,
I don't know what. Oh, that's where. I need ammunition! Fumigen. Ah, oui, c'est blanche, d'accord. Kit de réparation, grand kit, ok. Oh, I'm good. That's alright. Alright, let's go. So yeah, thank you so much. Oh shit. Tabzim, et la lune descend sur le temple qui fuit. Ok. Le Taranis semait le trouble dans les plans d'invasion Berman des terres libres de Gascogne. L'armée gasconne, bien que n'ayant aucune idée de la source de ses remous, en profitait pourtant. Lieutenant Muska. Wait! Tatsugasco. Oh! Tatsugasco Army! That's not the Berman! Oh! And she is really beautiful. I don't know. Muska or Flamkish? But. Normal. The mission for take the. Northwest field is good, but there are two things. I listened to you. First, the Berman have captured the town village for a localization. The big machine will take the Berman. We don't know what the big machine. Yeah. Yep. Where is Seth? Okay, she's good. She's good, I think. What the fuck? Les enfants étaient émerveillés par les vestiges qui s'étalaient sous. Okay, so that's the funny coughing, Doc. That's the statue of Reverse Wolf. That's a ruin, that's a ruin, yes. Les statues du loup renversé. La légende dit que les Léo, autrefois souverains de cette contrée, les avaient érigés pour maudire la terre. Okay. Encore, cette région était connue pour abriter une grande contrée. Beautiful. Oh, that's gonna be a Toug one. So guys, thank you so much for coming in my stream. I'll stream the next morning, so don't worry about that. So have a great day or good night because you are English, I think. So thank you so much and have a great time. Thank you so much.